deux. Bonjour tout le monde, ici Gizmo64, j'espère que vous allez bien. Mon micro est correct, bon ouais. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur Gears of War 1 Ultimate Edition en attendant God of War. En attendant, pardon, pas God, qu'est-ce que j'ai là? Gears of War Ultimate Edition, voilà, Gear, ben oui, ça n'a rien à voir avec Kratos qui lance des haches. Un perso que j'aime pas. J'aime pas d'emblée, je vous le dis tout de suite, j'aime pas God of War. Voilà, c'est fait. Tout est dit. Tout est dit. Fait que maintenant, on va passer à Gears of War. Ça va aller mieux. Ultimate Edition. Une exclue Microsoft qui a su se démarquer au fil du temps et au fil des jeux aussi. Et tout ça en attendant Gears 5 qui était nommé meilleur exclu 2019 de Microsoft. Oui, je sais, on donne des exclus à des prix à des jeux alors qu'ils sont même pas sortis encore, mais bon, que voulez-vous? Ah, la démocratie en 2019 s'est rendue quelque chose de merveilleux. On donne des prix à des futurs jeux. Et c'est parti. On commence. Après le jeu d'hiver, en bas, laissez-leur. Plus qu'un. C'est parti. De jouer à un vrai jeu, parce que sinon c'est joué. Pour ça, j'essaye de découvrir des jeux de main de Warcraft, parce que si c'est pas d'heure, je me fais chier, puis ça me fait chier très longtemps. Oui, parce que... Ah bon. Comme il y en a certains qui ont découvert que Microsoft écoutait les données personnelles du monde avec la Kinect, le Cortana. Il vient juste de découvrir ça. Là, on est en mode on tape sur Microsoft. Mais c'est pas là. Alors que fallait s'y attendre. Oui, je suis tout le temps se méfier des trucs que t'es filmé whenever. Parce que si la machine enregistre, notamment, tu peux être enregistré aussi. Bon, moi personnellement, ça me dérange pas. Et nous, c'est des Américains, fait que je pense pas qu'ils comprennent. Marcus, en bas, un essaimeur. Est-ce qu'on peut arriver? Ils t'intéressent pas un petit peu trop loin. Ils vont vraiment s'intéresser à... Je suis à 5 de Moi j'ai beau dire, mais oui, tant que c'est tant qu'ils vont juste écouter les personnels et whatever. Et voilà, 3 sur 3. Tant que je reçois pas de coup de fil non-stop de la compagnie qui arrête pas de harceler, là, c'est ça. Tant que ça, tant que ça m'empêche pas de 5. Dormir le soir, moi, ça me dérange pas. Les SMR sont détruits. On va voir Alpha maintenant. Super nouvelle, Delta. Soyez prêts pour Alpha. En tout cas, ceci, Gears, et surtout pour moi, l'exclu qui donnera envie à tout n'importe quel joueur d'acheter une console, évidemment. Pour moi, c'est l'exclu ever. C'est même l'exclu pour moi qui ferait rager la plupart des jeux des pros PlayStation.
ou des anti Microsoft. Moi perso, il y a Adage, j'utilise les boutons Adage chez PlayStation, il n'y a aucune exclue façon gameplay qui m'intéresse. Je vous le dis tout de suite d'emblée. Il y a certes des belles exclus, mais voilà, c'est pas des jeux qui m'intéressent à proprement parler. Horizon Zero Dawn. Et c'est bon. C'est bon, mais ça fait pas le café. Uncharted. Ouais. Ici Alpha. Jones, vous êtes où, les gars? C'est trop pour moi le problème avec mes excuses. Vous êtes à côté. Pour moi, je sens mon sens. Pour moi, c'est trop. Bien reçu. Bougez pas. On va aller descendre. On bouge pas, lieutenant. Terminé. Le trou n'en met plein la vue. C'est ça mon problème avec les excuses PlayStation, mais bon. Ennemi repéré. Ça, puis le fait qu'ils jouent tout le temps sur la hype, ça, sérieux, la hype, c'est un truc. C'est une façon de faire que je trouve dégueulasse. Puis avec les tellement de soirées, il demande à passer de vie. C'est comme un détonateur, c'est comme un effet d'espionnage. Vous avez une petite minuterie que vous mettez des bombes. Mais les joueurs, c'est comme des minuteries. Ils ont telle date avant, puis rendu à l'étape critique. C'est ça, pour moi c'est ça la hype. Le truc que j'ai vu que j'ai vu tous les cons des affaires d'espionnage, pourquoi qu'ils mettaient des minuteries. Les vieux films de Bond et compagnie, ça m'a juste fait rire ces films-là, mais bon. J'ai apprécié les nouveaux avec Daniel Craig par contre. Ben, j'ai bien aimé les deux films, les vieux films de James Bond dans lequel il y avait le requin. Prêt à partir. Joué par le défunt acteur Richard Kiel, qui était vraiment un excellent acteur. Les voilà, mec! Ouais! Alpha, on aperçoit votre position. Nous, on aimerait apercevoir vos armes sur nos ennemis. Bien reçu. Terminé. Comme je le disais, Gear 5 sera un jeu vraiment excellent, même s'il y en a qui se plaignent. Que le solo, la campagne solo a pas été démontrée. Ouais, il a pas été montré. Après ça, ça va se plaindre qu'ils ont été spoilés. Ouais. Moi, personnellement, je me dis, ils font bien de pas montrer la campagne solo parce que, gars, vous voyez le gameplay actuellement de cette vidéo. Gear 5, ça va être pareil. Ça va être le même gameplay. Ça va être du shutter cover. Ben oui, il y a rien de nouveau. Hein. Pour moi, il n'y a rien de nouveau. En tout cas, pour moi, c'est pas le gameplay qui m'intéresse, c'est l'histoire. Si l'histoire est bonne, ça va faire toute la différence. Mais oui, moi, dans Gears, moi, il faut voir le monde dans Gears qui check les gameplays, puis analyse les gameplays whenever. C'est pas le gameplay, c'est l'histoire. Puis Gears 4 a le syndrome, les joueurs ont pu le syndrome de Star Wars épisode 7. Ils veulent tout, tout de suite. Ils veulent tout, ils veulent des explications en même temps, ils veulent beaucoup d'explications. Fais gaffe! Mais je trouve ça bien quand les Gears, il y en montre pas trop dans Gears 4, ça m'explique pas trop parce que ça laisse planer un peu le suspense. Et la fin avec le collier, c'était juste écœurant pour moi, ça... Pour moi, c'était. J'ai trouvé comme Cliffhanger, ça faisait vraiment. Marcus, sur le flanc droit! Je pense pas sûr, mais je pense que c'est le premier Gears qui finit sur un Cliffhanger. C'est le seul Gears of War qui finit sur un Cliffhanger à date. La fin avec le collier, c'est un petit peu plus. Dégage! Moi, c'est exclusivité Microsoft et une excellente exclusivité. Contournez-les!
C'est le best of the best. Pour moi, c'est comme normal que Gear 5 obtient le prix du Metacritic. Parce qu'à date, y'a rien d'autre. Y'a rien d'autre pour compétitionner à date. Et je pense que le monde attend plus Gear 5 que n'importe quel autre esprit. Sur Nintendo, mais en fait c'est juste un rêve, un petit rêve, le fantasme d'un membre d'un employé de chez Microsoft qui voulait mettre ça sur Nintendo, mais en fait ça n'arrivera pas, je pense pas que ça arrive, ça a été même confirmé dans une revue. Mais oui, de même temps je trouve qu'ils font bien. Ils font bien parce que s'ils commencent à donner leur grosse exclus à tout le monde, après, on a quoi après comme argument de vente, nous autres, les joueurs Xbox, on a quoi comme argument de vente? On n'a plus rien, c'est ça, on n'a plus d'argument de vente, c'est ça. On n'a plus d'argument pour dire aux gens, viens-t'en sur Xbox, whatever, mais bon... Déjà, l'esprit est déjà sur PC. Fait. Par ici! Parce que PC, c'est Microsoft. Il y en a même qui l'oublient, ils ont tendance à l'oublier, mais PC, c'est Microsoft aussi. Fait que c'est comme normal, je veux dire. C'est une exclue Microsoft, c'est. Voilà, c'est, faut pas l'oublier non plus de ce côté-là. Mais bon, que du lourd pour septembre, genre, évidemment. Avec Gear 5 qui sort. Et le prochain, c'est Hello, que j'ai vu, je l'ai compris. Et Borderlands 3. Il y a aussi Greenfall qui est fait par Spider, un studio français, qui sort la même journée que Gear 5. Super. Mais je vous le dis tout de suite, Greenfall va passer comme dans le vent. Je vous le dis tout de suite, Greenfall, il y a certaines personnes qui vont y jouer, mais... Ce jeu-là risque plus de devenir populaire au fil du temps avec, en faisant du bouche à oreille. Je vous le dis tout de suite. Et je l'ai appelé parce que le jeu, il aurait pu sortir en octobre, ça aurait été bon, mais pour les joueurs, ça aurait été tellement mieux. Là. Autrefois, ce bâtiment était. Mais surtout, c'est un studio 2D. Que les calomnies. Tu as un beau culot, soldat. Je sais pour ton procès. Mais c'était bidon, lieutenant. Montez là-dedans. Descendez cette rocade! Joli!
Gare à l'explosion! Perso, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Gears 5 va apporter de nouveau en termes de gameplay. J'ai bien aimé les nouveautés hein, qu'il y avait dans Gears 4. L'innovation qu'il y avait dans Gears 4 pour le gameplay, Tower Defense et compagnie, je trouve vraiment excellent. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Soudainement, ça va être tout beau. Pour moi, c'est l'exclu Microsoft. Bien reçu. On est dans la Z2 maintenant. Oui. Je vous vois. Fini l'enfer. Pitié, je vomis à chaque fois dans ces coucous. La place est libre à côté de Marcus. Et on a réussi! Ouais, c'est la fête. Dom. Où est Rojas? Je pense que c'est là qu'on va voir le méchant de Général Ram, pas sûr. Et non, c'est pas un Jeep. Oh shit. S'en viennent. Des locustes. C'est malade, oh, c'est fou.
Contrôle. Ouh, ça, ici le soldat c'est Phoenix. C'est vraiment mieux que le jeu que j'ai testé hier. Le lieutenant Kim est mort. Sérieux, il faisait juste marcher. Nous sommes retirés dans le tombeau et nous devons sortir. Répétez, Alpha. Kim est mort. Confirmé, contrôle. Décédé. Bien reçu. Il y a une cour de l'autre côté de votre bâtiment. C'est la meilleure option. Bien reçu. C'est sûr qu'on peut pas trop rester ici. C'est toi, Baird. Ouais, mec, tu sors d'où? Et toi, t'es qui? Mince, silence. On bouge pas. C'était quoi, ça? Une berserker. Elle a des oreilles. Et des narines. Oh, shit. Berserker. Oh mon dieu. Contrôle, ici Delta. Il y a une berserker dans les parages. On fait quoi? Cessez le feu, Delta. Les armes classiques sont inutiles. Vous avez toujours le rayon de l'aube? Affirmatif, contrôle. Vous n'avez que quelques minutes de réception satellite. Attirez-la dehors, utilisez le rayon. C'est la seule solution. Bien reçu, terminé. Préparez-vous, les gars. On est venu vous aider. Et voilà ce qu'on va faire. Viens, Dom. On y va. Allez-y. Alors, c'est quoi le plan? Merde. On n'a pas le choix. Il faut faire en sorte qu'elle nous suive. Petit. Et sourde. Ça va aller bien, si est sûr. Ça va être assez chaud la battre. Ouch. C'est ma faute lol. Yeah.
s'arrêter là pour aujourd'hui, je crois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, des petits pouces bleus sur ma chaîne. C'était une vidéo de Gears of War 1 Ultimate Edition en attendant Gears 5 qui sort le 10 septembre. Ça va être juste parfait. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo de gameplay, je crois. C'est une connerie, mais bon, c'est le cas, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si c'est le cas, si vous avez vu, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Restez un abonnement à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. À demain. Allez, c'était Gizmo64. Allez, ciao!